Salut tout le monde, salut salut. Débrief hein, du match entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Donc comme d'habitude, si vous êtes supporter du PSG ou d'autres clubs, mettez un pouce, commentaire, abonnement, cloche de notification. Alors, le premier constat, c'est que Mbappé est sorti avec Sergio Ramos, mais voilà, ils n'ont pas voulu prendre de risques, c'est pas grave, hein, donc il vaut mieux prévenir que guérir, hein. On dit ça, c'est un vieux dicton. Voilà, ils sont sortis, ça n'a pas l'air trop grave, mais bon, il valait mieux les faire sortir pour pas que ça s'aggrave tout simplement. Et c'est très bien joué de Galtier de les avoir fait sortir tous les deux. Donc c'est pas trop grave. Donc on verra bien un petit peu s'ils vont être présents face à Toulouse. Je pense pas contre Toulouse, hein. Ils seront remis, ils seront aux soins. Mais mardi, face au Classico à Marseille. Je pense qu'ils seront aptes. Donc, victoire du PSG, hein, 3 buts à 1. Alors, dans ce match-là, ça n'a pas été tout rose, hein, surtout en première période, hein, où bah, il y a eu les deux, hein, Ramos et Kylian Mbappé qui se sont blessés. Mbappé qui a raté deux pénaltys, donc deux pénaltys en un. Donc, ensuite. Deuxième période un peu plus convaincante, hein, où on a retrouvé un petit peu du jeu du PSG, hein, ça nous a fait vraiment plaisir. Donc, but du PSG, Messi, Fabien Ruiz et le petit nouveau, je ne sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle le petit nouveau, bah, c'est Atiti, hein, tout simplement, qui a marqué dans les dernières secondes. Donc, dans la globalité, voilà, alors c'est un petit peu rassurant, on va dire. Mais il reste encore beaucoup beaucoup de travail. Hein. Franchement, en première période, ça n'a pas vraiment été ça. En seconde période, ça a été un petit peu mieux. On a retrouvé un petit peu de l'allant, on a retrouvé un petit peu le PSG qu'on aimait bien voir. Mais voilà, il va falloir enchaîner donc le prochain match face à Toulouse à la maison au Parc. Parce que mardi, je crois que c'est mardi, hein, eh bien on a le Classico, Coupe de France à Marseille. En sachant que ben, Marseille s'est imposé 2 à 0 à Montpellier. Lens a perdu chez eux face à Nice. Donc, bah, c'est tout le monde se rapproche. Hein, tout le monde se rapproche. Bon, voilà, donc, il va falloir faire le travail, tout simplement. Et le prochain objectif, eh bien, c'est contre Toulouse. On verra bien. Avant les grandes échéances, hein, deux fois Marseille, deux fois le Bayern, Lille-Monaco. On verra bien tout ça, comment que ça va se passer. Sur ce, moi, je vous laisse. Et puis, pour la prochaine vidéo, eh bien, on se retrouvera. Pour le match entre le PSG et Toulouse. Sur ce, ciao et allez pas.